raconter aujourd'hui l'histoire d'une très jolie jeune fille qui vivait au 3e siècle en Asie mineure. Elle s'appelait Barbara et elle était tellement belle que son père, pour la protéger d'éventuels prétendants, l'a enfermée dans une tour. C'est finalement dans cette tour qu'elle se convertit au christianisme. Son père, païen, devient fou de rage, lui fait subir les pires supplices, les pires tortures dont elle se relève toujours grâce à la foi. Le 4 décembre, il décide de ses propres mains de la décapiter. Il est foudroyé sur le champ. C'est pour cette raison que Sainte Barbe, Barbara, est devenue la patronne de ceux qui travaillent avec le feu, avec la foudre, les artilleurs, les pompiers et bien sûr les mineurs qu'elle protège. C'est à elle que nous dédions ce 3e numéro dans toute simplicité. Monsieur Flamand. Oui, bonjour. Merci de nous avoir rejoints ici. On est au pied du magnifique chevalet du quartier Saint-Amé à Liévin. Oui. Vous faites partie de l'association Gueule Noire de Liévin. Exactement. Et je vous rencontre aujourd'hui parce que j'avais envie avec vous de parler de la Sainte Barbe. Oui. Qu'est-ce que c'est la Sainte Barbe pour vous, pour les mineurs? Pour moi, la Sainte Barbe, c'est une autoprotectrice. Hein. Tous les mineurs honorent Sainte Barbe. Hein. Voilà, elle nous protège contre le grisou, elle nous protège contre les blessures, tout ce que vous voulez. Hein. Les mineurs étaient très, très, très protecteurs sur la Sainte Barbe. Hein. Elle était avec vous? Oui, elle était avec nous. Au fond? Au fond, elle était au fond. Ouais. Presque la seule femme à être acceptée au fond, on oui, peut dire ça? Oui, on peut dire ça, oui. On peut dire ça? Oui, elle était au fond. Chaque puits de la région avait sa Sainte Barbe. Et elle voyait le jour un jour elle, par an? Oui, la veille du 4 décembre, le 3 décembre, on l'a remontée pour le jour J, Sainte Barbe. Pour la messe, la célébration? Pour la messe du 4 décembre, ouais, voilà, où là c'était un jour chômé. Ah oui, c'était un jour chômé payé par les ouillères. Pour rendre hommage à Sainte Barbe, avec donc des messes, des processions, à ce moment-là, il y avait un peu tout. Hein. Les mineurs sortent dimanchés, on était tous beaux. La direction du charbonnage nous invitait à venir nous remettre une petite gratification. Ouais. Bon, c'était pas génial, hein, ça se déroulait comme ça. On buvait un verre ou deux, et puis avec la brioche, hein, voilà. C'était la fête quand même. C'était la fête. Ah oui, la fête. Le bal. Oui, il y avait une partie sérieuse. On sortait de cette salle, on rejoignait à la messe, hein, notre Sainte Barbe, hein, notre protectrice. On allait la rejoindre là-bas et puis après la messe, c'était des défilés, des lampions, tout ça défilait dans les rues. Et voilà, c'était la danse, tout ce que vous voulez, quoi. Aujourd'hui, on continue de fêter Sainte Barbe. Ah oui, on fête toujours Sainte Barbe. On n'a jamais cessé à Liévin, on n'a jamais cessé de fêter Sainte Barbe. Cette tradition-là, elle a toujours été, aujourd'hui, plus fort que jamais même. Ouais. Plus fort que jamais. Hein, parce que c'est important, finalement, de parler aujourd'hui de Sainte Barbe, de la mine. C'est très, très important, et surtout pour dire... Gardez cette en mémoire qu'il y a eu des gens qui ont œuvré pour notre pays. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Flamand. Et puis, je vous souhaite une bonne Sainte Barbe le 4 décembre, alors. Ben oui, on se verra peut-être. Oh, bah, j'espère bien. On sera peut-être sur place. Ouais, j'espère bien. J'espère bien. Merci beaucoup. Ouais. Bonjour Marie. Bonjour Florence. Merci de nous accueillir chez Porte Mine. Eh bien, merci à vous d'être venue. Donc Porte Mine, c'est un lieu d'échange, de partage, de rencontre et en fait vous proposez des projets avec les habitants. C'est ça, l'idée c'est de créer des coopérations qui peuvent à la fois valoriser les initiatives des habitants mais aussi les initiatives du territoire. Et donc là, autour de la Sainte Barbe, c'est forcément aussi un moment de fête, c'est un moment important pour Porte Mine. Qu'est-ce que ça représente la Sainte Barbe pour vous? Alors c'est vrai que la Sainte Barbe c'est plutôt quelque chose qui était assez traditionnel sur le territoire avec pas mal de processions, voilà tout ce qui est autour du feu, ce souvenir aussi du passé industriel qui a été assez marquant sur notre territoire.
Et c'est vrai qu'en tout cas, cette année, l'occasion des fêtes de la Sainte-Barbe, c'était aussi de retrouver une certaine dynamique, peut-être se construire sur le passé, mais surtout aujourd'hui, le territoire, ce que c'est, et comment on a aussi envie tous de le transformer. Et tout ça par le biais d'une grande fête. Donc, effectivement, dès qu'il y a la fête, Porte-Mine répond présent. Oui, on est vraiment sur un événement fédérateur, rassembleur autour de valeurs communes qu'on partage tous. L'idée, c'est aussi de revisiter finalement la tradition et de lui offrir finalement un regard plus contemporain avec des artistes, des interventions, les habitants également qui seront impliqués. Oui. C'est vrai que là, pour les fêtes de la Sainte-Barbe, c'était aussi comment effectivement on donne au territoire un nouveau rassemblement assez fédérateur, et puis sur trois grandes communes, hein, puisqu'il y aura Lens, Liévin et Losanguel qui seront de la partie. Et puis comment on amène le sens de la fête, peut-être un peu dépoussiéré aussi, puisque la thématique du feu, la thématique qui rassemble, aujourd'hui il y a pas mal de choses qui sont proposées et dont d'ailleurs il y aura tout un programme assez exceptionnel à découvrir sur le territoire. Ouais, pendant quatre jours de grandes fêtes. Avec Porte-Mine, vous avez proposé justement ce qui fait aussi votre force, de travailler avec des gens d'ici. L'idée, c'était d'amener justement un petit plus sur les programmations des villes. Donc, Porte-Mine sera notamment pendant 3 jours, donc les 1er, 2 et 3 décembre, au sein de la base 11-19, donc dans le café Rando de l'Office du Tourisme, pour proposer un petit café éphémère, citoyen, festif. Donc, on va complètement customiser la salle de l'hôtel. Et puis, le lundi 3 décembre, c'est la procession de la ville de Losanguel sur les Terris. Et donc, à cette occasion, à 18h30, le 3 décembre, on organisera un moment très festif, parsemé de concerts. Mais on sera aussi présent au Louvre-Lens. Donc, ça, ce sera le 1er décembre, puisqu'il y aura l'exposition 4 éléments. Et on aura la Brigade des Tubes, donc une grande fanfare un peu déjantée et festive. C'est 50 musiciens, quand même, qui viennent. Les fanfares étaient aussi quelque chose de très traditionnel sur notre territoire. Et donc, là, c'est une fanfare jeune, moderne, qui fera forcément gâcher, pour prendre un mot patois, les gens avant le bal amour, puisque la soirée se clôturera au bal amour organisé par la scène du Louvre-Lens. Donc on se retrouve du 3 au 4 décembre pour faire la fête et mettre le feu. Ouais. Alors du 1er, enfin même du 30 oui, au 4, 30 au mais 4. On sera toujours un peu partout, voilà. Et avec tout le monde, j'espère. Bien entendu. Bon, on se retrouve là-bas alors. Avec plaisir. Merci Marie. Merci. J'ai été très heureuse de vous présenter cette émission. Elle a un goût un peu spécial pour moi. J'avais un grand-père mineur et ça m'a fait très plaisir de replonger quelques minutes dans ses souvenirs. La Sainte-Barbe, ce n'est pas justement que des souvenirs, que des traditions. C'est justement ce qui est ambitionné avec ce nouvel événement, c'est de lui donner une couleur un peu plus contemporaine, un peu plus moderne, mais toujours avec cette idée de fédérer, rassembler, faire la fête ensemble. C'est aussi ce qu'incarne cette Barbara, cette nouvelle icône de la Sainte-Barbe, et elle vous donne rendez-vous du 30 novembre au 4 décembre pour fêter ensemble les fêtes de la Sainte-Barbe. C'était notre dernier numéro Dans toute simplicité pour l'année 2018. Je vous retrouve très vite en janvier pour un nouvel épisode Dans toute simplicité. À bientôt. C'est beau celui-là. C'est à elle qu'on dédie cette 3e émission du numéro En toute simplicité. Ça ne va pas du tout. On n'a pas froid. Non. On y va? On n'a pas froid. Allez, on y va.